nom, c'est Hugues Caillard. Je suis directeur des technologies chez Obstudio. Obstudio, c'est un studio de création multimédia. Il se concentre surtout sur la création de scénarios interactifs, d'histoires où la technologie est au service de la dramaturgie. L'œuvre qu'on présente dans le cadre de Illuminar cette année, c'est Influx. Influx, c'est un projet de visualisation de données. C'est en fait une vue de haut où chacune des boules est un quartier et a été élevée en fonction de sa popularité. Donc, la plus haute qu'on voit, c'est le quartier ici, Ville-Marie, qui est donc la plus populaire au centre-ville, où est-ce que tous les matins, les gens prennent les bixis et viennent travailler. Alors, on observe plusieurs pôles de densité différentes. On les voit surtout à partir de 6 h du matin jusqu'à 9-10 h et ensuite à partir de 16 h jusqu'à 19 h. La forme d'influx est particulière parce qu'elle est en forme de but, mais elle est un peu à l'inverse de la topologie de Montréal. Chacune des lumières représente un bixi qui se déplace d'un quartier à un autre. Donc, sur Influx, on ne voit pas 100% des déplacements de 2017 parce qu'on ne voit pas les déplacements qui se sont faits à l'intérieur des mêmes quartiers. Ceci dit, si on a pris un bixi pour aller de Rosemont à Ville-Marie, ben, on va être une lumière qui se déplace sur la structure. Et nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'était de raconter bixi dans une journée. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la ville et avec l'utilisation des bixi? Et c'est pour ça que ça s'appelle Influx. C'était pour observer le flux de vélos et le déplacement urbain.